Largué. J'ai fait le ballon. Pour la première fois depuis la démocratie, nous pouvons définir une politique nationale pour le sport et pour l'activité physique. Nous vivons perdre beaucoup de temps. Et le résultat, c'est que quand nous avons des problèmes qui nous sont au niveau de la santé publique. Aujourd'hui, nous avons 20 000 frais diabétiques et plus de 240 000 adultes qui atteignent le diabète dans notre pays. L'effrayant, le plus effrayant. Et sa politique-là, il tourne autour de trois axes. Premier, c'est développement et culture sport et activité physique. Nous voulons que tout bon citoyen en conscience de l'importance et pour dire quoi, l'urgence au sens de style de vie. Elle est étape, bien sûr, c'est dans le sens de la mentalité. Donc, nos politiques nationales pour sport et activité physique qui vous concerne chaque citoyen. Quel que soit le l'âge, le genre, le niveau social, condition médicale, religion ou groupe ethnique ou autre. Et nous mettons en place une politique de diversité et d'inclusion pour que tout le monde soit capable de bénéficier. Même condition d'accès au sport et à l'activité physique. L'objectif, c'est que 35% des adultes, because 350 000 Mauriciens environ, respectent les recommandations de l'OMS. Ils préconisent faire 150 minutes d'activité physique par semaine. Nous visons consolider la fondation de l'environnement du sport d'élite mauricien. Alors, au ministère Jeunesse et Sport, je travaille pour une stratégie détaillée pour le sport d'élite qui pour place l'athlète au centre de l'attention et donne une infrastructure, un soutien médical et tout ce qui vise pour nous capables de réussir. Nous pouvons créer une académie du sport et un centre national de performance. Nous avons aussi créé un réseau de entraîneurs de tous niveaux. Là, dans notre esprit, nous créons un institut national du coaching. Toujours à côté d'eau, et que nous prenons une responsabilité, donc on forme un réseau de coach. Et nous, l'objectif, c'est qu'il y a dans 10 ans, au moins, nous gagnons 20 athlètes qui qualifient pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Troisième axe, c'est développer une économie vibrante autour du sport. Nos pays n'ont pas de ressources naturelles fantastiques et ces ressources-là, malheureusement, vous constatez qu'il n'est pas suffisamment exploité au bénéfice du sport. Voler dans un call to action. Et vous voulez nous assurer à ce terme. À travers sport et activité physique, on veut dire que nous assurer une meilleure santé pour tout le monde, nous diminuer la criminalité, nous réduire l'emprise des méfaits de cigarettes, de l'alcool, de l'alcool. Nous allons surtout nous